Bon. On continue dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Y a beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup d'appels des Africains aujourd'hui. Grande était ma surprise. On m'appelle pour me dire, Kamel, Kamel, pense à tes papiers. On m'appelle pour me dire, Kamel, Kamel, rentre chez toi. On m'appelle pour me dire, Kamel, Kamel, l'histoire que tu as engagée là, ça va te dépasser. Ceux qui me disent ça sont dans la diaspora. Ceux qui nous disent que pourquoi nous défendons les intérêts africains sont dans la diaspora. La plupart de ceux qui m'appellent pour me menacer, c'est toujours les Ivoiriens. Je ne sais pas le problème que les Ivoiriens ont avec moi en particulier. Je ne sais pas. Apporter des preuves contradictoires à ce que nous disons. Nous sommes pour l'éveil de conscience africaine. C'est maintenant. Ils ont parlé du printemps arabe. Ils ont parlé du printemps arabe où l'OTAN, les Européens, les Occidentaux montaient le peuple contre les gouvernements. Mais sauf que ça ne tourne pas comme ça en Afrique subsaharienne. Sauf que plutôt, en voulant monter les peuples contre le gouvernement, les peuples et les gouvernements s'associent pour chasser le colon. Le colon qui n'est que autre que la France. Hier, je vous avais demandé que, avant de parler de ce qui se passe, il faut que vous vous rappelez d'où c'est né. Je tiens à rappeler, nous n'avons pas un problème avec les Français, mais nous avons un problème avec les gouvernants français. C'est deux choses. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Nous avons des problèmes avec les gouvernants français et non avec le peuple français. Bien que c'est le peuple français qui abuse et qui profite de nos richesses. C'est le peuple français qui profite de notre chocolat. C'est le peuple français qui abuse de nos ressources. Il faut le dire. Donc, nous, on révèle aux yeux du monde ce qui existe. On révèle aux yeux du monde que les Français et que les Européens arrêtent de nous prendre pour des pays pauvres. Le sous-sol le plus pauvre, c'est le sous-sol européen. La question que je vais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi où il y a une plantation de cacao en France. Dites-moi où il y a une plantation où on plante le cacao en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre. C'est une question que je vous pose. Mais pourquoi nous, quand nous revendiquons ce qu'il y a à nous, pourquoi c'est encore nos frères? C'est encore nos frères qui nous insultent. C'est encore nos frères qui nous menacent. Pourquoi? Vous pensez qu'on a peur? Vous pensez que c'est facile de laisser sa famille et venir se chercher? Parce que tu es dans un pays où il n'y a pas l'eau à boire. Parce qu'on extrait de l'uranium. Tu es dans un pays où le taux de cancer est élevé parce qu'on exploite le pétrole. Tu es dans un pays où il n'y a pas de lumière
et pourtant qu'on exploite l'uranium. Tu es dans un pays où on te donne seulement 10% de tes ressources. Et quand nous arrivons ici en Europe, ce sont nos frères qui nous disent haut et fort. C'est encore nos frères qui nous disent haut et fort, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. On va entrer dans l'histoire. Avant d'arriver là où nous sommes au jour d'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, nous avons deux histoires différentes. Nous avons deux histoires différentes. C'est toujours les pro-Ouattara qui nous insultent. C'est toujours les pro-Macky Sall qui nous insultent. Vous n'allez jamais voir un pro-Gbagbo insulter un panafricain. Vous n'allez jamais voir ça. Pourquoi les pro-Sonko et les pro-Gbagbo n'insultent pas les panafricains? Pourquoi c'est les pro-Macky Sall qui nous insultent? Pourquoi c'est les pro-Ouattara qui nous insultent? Il faut qu'on entre maintenant dans le vif du sujet. Les accords coloniaux. Avant les accords coloniaux, on va parler de ce que beaucoup de personnes oublient souvent, la charte de l'impérialisme. Article 1. De la charte d'impérialisme, article 1. Ce qui est marqué sur l'article 1. Article 1 de la charte d'impérialisme, disposition générale de la devise. Devise de l'impérialisme, gouverner le monde entier, contrôler les richesses de la planète. Notre politique, c'est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller, pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes. Notre devise, diviser pour mieux régner. Notre devise, piller. Notre devise, dominer. Notre devise, exploiter. Ça vous rappelle qui? Est-ce que ça ne vous rappelle pas ce que la France faisait dans les années 60, 70, 80, 90. Il faut que vous sachiez ce qu'on appelle le pacte colonial. Le pacte colonial a 11 articles. Le pacte colonial a 11 articles. Le premier article du pacte colonial, c'est ce qu'on appelle la dette coloniale. C'est quoi la dette coloniale? Comme j'ai expliqué hier, ça veut dire que les États nouvellement indépendants doivent rembourser tout ce que la France a fait pour eux pendant les colonies. Ça veut dire qu'on demande aux Ivoiriens, aux 14 États, de rembourser tout ce que la France a fait pour eux pendant les colonies. Beaucoup de gens disent que De Gaulle, c'est une star pour la France. Mais pour nous les opprimés, De Gaulle n'est pas notre star. Pour nous les opprimés, De Gaulle, c'est quelqu'un que nous combattons. De Gaulle a tué ma famille. De Gaulle a tué mes parents. De Gaulle a fait beaucoup de carnage en Afrique. Il ne peut pas être un des nôtres. Il ne peut pas. Mais par contre, toi, Français, tu le prends pour quelqu'un de grand. Mais nous, les Africains, De Gaulle ne sera jamais grand. On prend De Gaulle pour un monstre parce qu'il nous a fait du mal. Je tiens à rappeler à tous les pro-Ouattara, à tous les pro-Macky Sall, on brûlait les Africains dans les années 60, au Népal. On décimait les villages, au Népal.
Si tu as un frère Bamléké, demande-lui. Si tu as un frère Bassa, demande-lui. Les Français versaient l'huile dans des grosses bassines. Quand l'huile est chaude, on envoyait les gens dedans. Quand le napalm ne suffisait plus, on organisait des feux et on brûlait. C'est ça la France-Afrique. Parce que toi, le Français, quand tu demandes à un Africain que rentre chez toi, quand tu demandes à un Africain que rentre chez toi, pose-toi la question, il fait quoi d'abord chez toi? Pourquoi il vient chez toi? Il vient chez toi à cause du pacte colonial et à cause de la charte de l'impérialisme. Divisé pour mieux régner. Nous devons piller, voler, arracher et aller remplir nos banques. C'est la première charte. La première charte de l'impérialisme. C'est marqué là noir sur blanc. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller l'Afrique. Et vous allez nous poser la question. Et vous allez nous dire que nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons chez vous? Tu manges bien le chocolat? Tu manges bien le Coca-Cola? Il y a bien la lumière chez toi? Est-ce que tu sais d'où cette lumière sort? Vous voulez qu'on parle de la France-Afrique? Parlons de la France-Afrique. Parlons de la France-Afrique. Quelqu'un me dit, tu fais quoi en France? Repars au Cameroun. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis très fier d'être Camerounais. Et je tiens à te rappeler, je n'ai pas peur de rentrer chez moi. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai cette fierté africaine. J'ai cette fierté camerounaise. Je suis sûr d'une chose. Aucun milliardaire n'est venu de la diaspora. Aucun milliardaire africain n'est venu de la diaspora. Tous les milliardaires africains ont eu leur milliard en Afrique. Nous avons le continent le plus riche. Les Français doivent comprendre que nous n'avons pas besoin de l'aide et qu'ils arrêtent de nous appeler pays en voie de développement. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Est-ce que vous savez à quel montant est estimée la dette française? La dette française est estimée à 3 000 milliards d'euros. Pour ceux qui ne comprennent pas, en 2023, la dette française est estimée à 3 012 milliards. 3 012 milliards d'euros. Est-ce que vous savez à combien est estimée la dette des 14 pays africains? 14, ouais, 14, 15 milliards. Moi, je dis 15 milliards. La dette des 14 pays africains est estimée à 15 milliards. Mais comment se fait-il qu'un pays aussi endetté que la France vienne nous prêter l'argent, nous qui ne sommes pas endettés? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, il y a un certain langage à tenir. Notre job en tant que blogueur panafricain nationaliste. De la même façon que le français aime la France, c'est comme ça que moi le Camerounais j'aime le Cameroun, c'est comme ça que moi l'Ivoirien j'aime la Côte d'Ivoire et c'est comme ça que moi le Mali j'aime le Mali. Ainsi de suite. Nous ne demandons pas à la France de l'aide. Nous demandons à la France un partenariat gagnant-gagnant. Nous n'avons pas besoin d'être assistés. Depuis 60 ans, la France pille l'Afrique. Depuis 60 ans. Qui parle? Demandez à un Français si c'est ce qu'on appelle seulement les accords coloniaux. Demandez à un Africain, un Français, si c'est ce qu'on appelle le pacte colonial. Demandez ça à un Français. Demandez à un Français si c'est ce qu'on appelle le pacte colonial. Quand un Français regarde un Malien,
C'est mon or qu'il y a à la Banque de France. C'est mon diamant. C'est mon uranium qui te donne l'électricité. Pour avoir ton uranium, ton père a dû tuer de mes parents. On ne tombe pas amoureux d'un bourreau. On ne tombe pas amoureux d'un bourreau. Rappelez-vous Macron en Afrique. Rappelez-vous ce que Macron a fait au Burkina. Vous voulez que je vous rappelle ça? Je vais vous rappeler l'histoire. Je vais vous rappeler l'histoire. Macron au Burkina. Je vais aller sur YouTube et je vais taper Macron au Burkina. Teddy bear, ultra respirant, moelleux et harmonieux. Et vous allez voir, de mousse et de ressort haut de gamme, si nous, un matelas d'exception, on peut manquer de respect comme ça à un président français. Attendez. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais prêt. Je vais vous dire, la vidéo que je vais vous montrer, vous allez me dire, si on a déjà manqué le respect un jour à un président européen. Macron se déplace, arrive au Burkina, manque le respect au président du Burkina Faso. Tout le monde sait qu'en Afrique, le respect est précieux. Mais la vidéo que je vais vous montrer fait très mal, surtout quand on est africain. La vidéo que je vais vous montrer, elle fait très mal quand on est africain. Quand Macron parle à ce président, il oublie de parler du pacte colonial. Quand Macron parle à ce président, il oublie de parler de la charte d'impérialisme. Quand Macron parle à ce président, il y a ce qu'on appelle la dette coloniale. Macron oublie de dire, c'est-à-dire que le premier article de du pacte colonial, la dette coloniale devra être remboursée par les colonies. Tout État nouvellement indépendant doit rembourser le coût des infrastructures. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire donc ceci. On devra payer à la France de nous avoir fait subir toute cette torture. On devra payer à la France de nous avoir exploité notre or. On devra payer la France de nous exploiter notre diamant. Voilà ce que le premier amendement du pacte colonial dit. Et quand je vais parler, toi, Africain, tu aimes me parler? Toi, Africain, tu viens me parler? Non, je vais vous montrer la vidéo. Si je suis burkinabé. Président du Burkina Faso, mais moi je ne veux pas m'occuper d'électricité dans les universités au Burkina Faso. Vous avez vu le mépris. Le mépris. Attends. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper d'électricité dans les universités au Burkina Faso. On appelle ça la manipulation. On appelle ça la manipulation. Regardez comment Macron parle à un président chez lui. Est-ce qu'on peut manquer de respect comme ça à un président européen? Dites-moi. Quand vous nous dites que nous, les panafricains, quand vous nous dites que nous, les nationalistes africains, qu'on parle mal à la France. Regardez comment un président français parle mal à un président en exercice. Écoutez bien ces phrases. Je vais ramener une certaine phrase. Il rit.
Regardez. Et les gens regardent. Un manque de respect pareil. Toi, si tu es africain, tu ris pourquoi? Si toi, tu es africain, pourquoi ris-tu? C'est la question que je vous pose. C'est bizarre. Il n'a pas, Macron n'a jamais mentionné que la France exploite le Burkina depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Depuis 60 ans, on exploite le Burkina avec la France. Je vais encore faire un petit paradoxe. Le gouvernement français a dit qu'il n'accorde plus les visas aux Français, le gouvernement français a dit qu'il n'accorde plus les visas aux Maliens ou aux Burkinabés. Mais vous pensez que ça va changer quoi? Si le gouvernement mal français n'accorde pas des visas au Burkinabé, au Mali, ça change quoi? Vous avez recouvré votre aide. Vous avez suspendu votre aide. Mais vous rigolez. Je demande au gouvernement français, vous rigolez. Depuis près de 60 ans, votre aide a changé quoi? On vous a dit qu'on est là pour de l'aide? Quand vous avez supprimé les visas pour les Maliens et les Burkinabés, qu'est-ce qui s'est passé en retour? Le Burkina et le Mali, ils ont aussi fait pareil. Ils ont aussi suspendu les visas. C'est bizarre. Le gouvernement français, c'est la machine du chantage. Regardez le conflit qui s'est passé en Russie. Quand le gouvernement français a interdit aux chaînes russes d'émettre, mais quand on interdit les chaînes françaises d'émettre, ça dit qu'on a l'impression que, ce n'est même pas une expression, la France refuse de couper le cordon ombilical. Ces derniers 48 heures, il est strictement interdit à un Burkinabé, à un Malien de prendre un visa. Depuis près de 70 ans que la France exploite le Burkina, le Mali, que la France exploite les 14 pays, ça a changé quoi au juste? Je vais vous dire quelque chose. La diaspora malienne, la diaspora africaine fait entrer plus d'argent en Afrique que l'aide que les Français donnent. Je répète, la diaspora africaine fait entrer beaucoup plus d'argent en Afrique que l'aide, que toutes les aides mélangées. Qui vous a dit un jour que l'ONU est là pour les intérêts de l'Afrique? L'ONU n'est pas là pour les intérêts de l'Afrique. Qui vous a dit un jour que l'OMS est là pour les intérêts de l'Afrique? Non. Qui vous a dit ça? Il est temps que les Africains commencent à prendre des informations des Africains pour les Africains. L'information africaine doit être donnée pour les Africains, pour l'évolution du continent. L'information des Africains aux Africains pour les Africains. Il est inadmissible. Quand tu écoutes RFI, tu penses que RFI va te dire quoi? Quand tu écoutes France 24, qu'est-ce que France 24 va te dire? Tu penses que France 24 peut parler mal de la France? Tu parles que RFI peut parler mal de la France? Ne rêvez pas, mes chers frères africains. Ne rêvez pas. On vient aujourd'hui à visage ouvert. Ça ne m'étonne pas qu'on me dise demain après-demain que oui, monsieur, apportez votre carte de séjour, rentre chez vous. Je ramasse mes affaires, je rentre chez moi. Je ramasse mes affaires, je rentre chez moi. Nous sommes des immigrés économiques. Nous sommes des immigrés économiques. Comment expliquer que l'ex-premier pays exportateur d'uranium et deuxième pays exportateur d'uranium soit le deuxième pays le plus pauvre au monde?
Je vais vous donner la réponse. La charte de l'impérialisme, article 1. Gouverner le monde, contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller, remplir nos banques. La charte numéro 1 de l'impérialiste. Dominer pour mieux régner, piller pour venir remplir nos banques. Arracher pour venir remplir nos banques. Quand je verse de l'autre côté, article 2 du pacte colonial, la confiscation automatique des réserves financières. Les pays africains doivent déposer toutes leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garantit les réserves financières de 14 pays africains. Est-ce que vous avez vu le lien qu'il y a entre la charte de l'impérialisme et le pacte colonial? Je vais encore aller plus loin. Là, c'est la totale. Article numéro 2. Article numéro 2 de la charte de l'impérialisme. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Aucun pays au monde ne constitue un État souverain et indépendant. Deuxième charte. Deuxième article de la charte de l'impérialisme. Ça revient à dire ceci. Vous allez voir qu'entre le pacte colonial que les Français ont fait signer à 14 pays est sorti de la charte de l'impérialisme. On continue. Vous allez voir là où ça va évoluer. Au fur et à mesure, vous allez voir là où ça va évoluer. Article numéro 2 de la charte de l'impérialisme. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. On revient. Article numéro 3. Le droit, attention, le droit du premier refus sur toutes les ressources brutales et naturelles découvertes dans un pays. La France a le droit sur toutes les ressources naturelles de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après la France ait dit non que le pays en question peut s'octroyer ses propres richesses. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on trouve de l'or en Côte d'Ivoire, l'or là appartient à la France et non à l'État ivoirien. Si on trouve le diamant au Cameroun, le diamant là appartient d'abord à la France avant d'appartenir au Cameroun. Il y a pire. Il y a pire. Le pire, c'est les marchés publics. Quatre. C'est la quatrième loi. Et vous allez, je vais vous faire le distinguo entre les deux. Vous allez voir le croisement entre le pacte colonial et la charte de l'impérialisme. C'est l'assassinat de l'Afrique. C'est l'assassinat de l'Afrique. Écoutez bien le numéro 4. Et je vous rappelle que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Comore, le Gabon, le Congo, ça existe encore aujourd'hui. Le seul pays où on n'applique plus le pacte colonial, au Cameroun, la Guinée, la Centrafrique, le Mali, le Burkina, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger en voie de désarmement, le Niger en cours, la Guinée chez nous ici, pas l'autre Guinée. En gros, les deux Guinées, la Centrafrique et le Cameroun. Maintenant, écoutez donc la quatrième. Le quatrième article du pacte colonial. Priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics et appel d'offres publics. Ça veut dire que si le Cameroun, lance un appel d'offres. C'est d'abord les sociétés françaises avant les sociétés camerounaises. Si la Côte d'Ivoire lance une opération de marché public, c'est d'abord les Français avant la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Pour ceux, vous pouvez aller sur Google. Vous tapez les 11 accords coloniaux
Vous allez trouver ça. Article numéro 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. Amer, Amer ne manque pas. À tous ceux qui sont là, allez sur Google. Vous tapez la charte, vous tapez les 11 accords coloniaux et vous allez sur l'article 4. Je répète cet article. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution des marchés, même s'il y a une meilleure offre ailleurs. Vous devez d'abord passer par la France. Ça veut dire que quoi? Même si une entreprise camerounaise, malienne, congolaise, ivoirienne, sénégalaise a une meilleure offre, on donne d'abord ça à l'entreprise française. Ça va? Ça va? Ça ne vous secoue pas encore? Non, tapoter, envoyer les cœurs. Tapoter, envoyer les cœurs. Normalement, quand tu commences à parler les histoires de la France, tu ne peux pas louper un petit cyanure qui passe par là. Ok, rentre vite au Cameroun. Moumi est mort comme ça en Europe. Ah non, moi, ils ont commencé depuis. Hein. Moi, on a commencé par désactiver ma page. Je n'ai plus de monétisation. Vous avez remarqué que je n'ai plus de monétisation. On a désactivé tous mes comptes. Donc, depuis que je parle de l'histoire du Mali, ils ont d'abord désactivé. J'ai dit que, mais avant ça, je vivais. Après ça, je vais toujours vivre. Est-ce que ça ne vous fait pas mal qu'une entreprise africaine est défavorisée par rapport à une entreprise française? Ça ne vous fait pas mal? Là, c'est rien. Là, c'est rien. On revient à ce qu'on va appeler beaucoup de... Je vais répondre comme j'ai fait hier. Je vais répondre à beaucoup d'Ivoiriens qui disent que c'est le tour de l'Afrique centrale. Il n'y aura jamais de coup d'État en Afrique centrale. Ça, je vous le dis et je vous le confirme. Il n'y aura jamais de coup d'État en Afrique centrale. Je me suis documenté. Je vais dire à mes amis ivoiriens. Premièrement, ce n'est pas la France qui met Paul Biya au pouvoir. C'est Ali Djo. Hein? Ce n'est pas la France qui met à tous les Ivoiriens. Venez. Le seul vrai président ivoirien demeure Laurent Gbagbo. Quand vous les Ivoiriens, vous insultez Paul Biya. Gbagbo a été en prison à La Haye pendant 10 ans. Le seul président africain qui appelait Gbagbo à La Haye, c'était Paul Biya. C'était Paul Biya qui appelait Gbagbo à La Haye en lui disant « Tiens bon ». Ça ne fait pas honte aux Ivoiriens. Ça ne fait pas honte aux Ivoiriens que le président de la République camerounaise, que vous insultez quand vous n'avez pas de preuves à apporter, que c'est le président camerounais qui chaque mois appelait Gbagbo et faisait plus de 2 heures au téléphone avec lui pour lui remonter le moral. Ça oublie. Je reviens aux accords de Marcoussi. Gbagbo mourra à Marcoussi s'il ne signait pas les accords de Marcoussi. Gbagbo mourrait. C'est Paul Biya encore qui demande à Gbagbo, signe ces accords, sinon tu meurs en France.
Voilà pourquoi Barbeau signe les accords et il rentre vivant en Côte d'Ivoire. De la même façon qu'on a en train de déstabiliser Sonko au Sénégal, c'est comme ça qu'on a déstabilisé Barbeau en Côte d'Ivoire. Les Français étaient prêts à tout. Les Français étaient prêts à tout pour enlever Barbeau au pouvoir et ils l'ont enlevé. Je vais vous dire deux choses. Comme vous les Ivoiriens, vous n'aimez pas la vérité. Acceptez quand même que Ouattara est venu en haut au pouvoir par un coup d'État. Ouattara est venu au pouvoir par un coup d'État. Rappelez, assumez-le quand même, que c'est un commando français qui a délogé Barbeau avant de mettre maintenant les Ivoiriens. Il faut le dire. Pour la confirmation de ce que je veux vous dire, on va aller à ce qu'on appelle le chapitre 5 de la charte. Non, pas de la charte, l'article 5 du pacte colonial. Article 5 du pacte colonial. Droit exclusif de fournir les équipements militaires et de former les militaires. C'est très important. Dans les colonies, seule la France a le droit d'équiper les pays en zone CFA et de former les militaires. Un pays comme la Côte d'Ivoire, loue le matériel militaire à l'armée française. Voilà pourquoi lorsqu'on a fait le coup d'État pour aller déloger Barbeau, ce sont les militaires français qui étaient à la manœuvre. Vous trouvez ça normal? Quand toi, Ivoirien, tu viens me parler, moi, Camerounais, il n'y a aucune base militaire chez moi. Grandissons, élevons-nous, ayons l'esprit panafricain. Avoir l'esprit panafricain ne veut dire pas détester le français. Parce que beaucoup de gens ont l'impression que si nous revendiquons, c'est que nous détestons les Français. Non! Nous revendiquons parce que nous voulons aussi être des hommes libres. Nous revendiquons parce que nous voulons aussi parler librement. Nous revendiquons parce que nous voulons aussi avoir les mêmes hôpitaux. C'est pour ça que nous revendiquons. Dans nos revendications, on ne vous a jamais dit « n'aimez pas les Français ». On vous dit seulement que nous, on ne peut pas aimer De Gaulle. Parce que ce que De Gaulle a fait en Afrique, vous ne pouvez même pas imaginer, toi en tant que Français. Mon problème n'est pas avec toi, le Français. Mon problème, c'est avec vous, dirigeants. Si je suis chez toi, c'est parce que pendant 70 ans, ils ont pillé mon pays. Quand tu mangeais le chocolat le matin, il y a un champ de cacao en France? Il y a un champ de cacao en Belgique? Il y a un champ de cacao en Angleterre? Pose-toi cette question. Dans nos pays, il n'y a aucune industrie du cacao. Aucune. On vend encore le cacao dans les sacs en 2023. Aucune usine de transformation. Revendiquer ça. On va voir certains bâtards venir me raconter que rentre en Afrique. On vous a dit que j'ai peur. J'ai 30 hectares de cacao de plantain chez moi. J'ai 10 hectares de manioc. J'ai 10 hectares de macabo. Vous savez ce que je fais comme boulot en France? Je fais des livraisons. Des livraisons. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On parle de la liberté africaine. On veut respirer. Vous savez ce que veut dire vivre chez les gens? Vous savez ce que veut dire? Vous nous avez montré comment on insulte nos présidents. Vous nous avez enseigné à haïr nos présidents. C'est vous qui mettez ces présidents. Quand ils ne vous arrangent plus, vous organisez ce qu'on appelle la guerre des médias mensonges. Vous payez les journaux, les presses, les télévisions pour calomnier ceux qui sont au pouvoir. Et pourtant que c'est vous qui les avez mis. On a décidé que non. Les formations des Africains par les Africains et pour les Africains. La grande marche que nous sommes en train d'organiser au Trocadéro, ça sera du jamais vu après 70 ans.
Nous, les blogueurs, nous, les influenceurs africains, on veut parler entre partenaires égal à égal. Si le Niger ne veut plus de vous, partez. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Niger? Il y a une rébellion. Vous voulez dire que la petite rébellion qui est organisée là, qui est à la manœuvre? C'est bizarre. Qui est à la manœuvre? C'est les Nigériens, mais ce sont les Français. Qu'est-ce que la base militaire fait là? Pourquoi cette base militaire ne part pas? Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez pas chez vous? Vous parlez d'indépendance? Vous parlez d'indépendance? Vous nous avez monté contre nos présidents. On parle du Rwanda? Est-ce que vous voulez qu'on parle du Rwanda? Avant de parler du Rwanda, vous voulez qu'on parle des années 60-50 dans les zones Bamileke? Dans les zones Bassa? Vous connaissez Lumumba? Vous connaissez Thomas Sankara? La manipulation n'est pas africaine. La manipulation, elle est européenne. On ne sait pas trahir. L'Africain ne connaît pas la trahison. L'Africain ne connaît pas la manipulation. Nous sommes les subsahariens. On a le respect de l'aîné. Voilà ce que la colonisation nous a appris, la trahison. On nous lobotomise le matin. On nous lobotomise tous les jours avec RFI, France 24. Quand la guerre a commencé en Russie, vous les Français, vous étiez les premiers à interdire les siennes russes en France. Quand on vous a fait la même chose au Mali, vous vous êtes plaint. Quand vous avez fait ça pour la Russie, qui s'est plaint? Qui s'est plaint? Vous parlez de quoi? Les Tunisiens ont jeté des Africains subsahariens. Des femmes enceintes mouraient aux frontières de la Tunisie. Des gens sont morts en Tunisie. La CEDEAO était où? La CEDEAO était où? Où était la CEDEAO? Vous n'étiez pas là. Quand nos frères mouraient en frontière tunisienne, étant chassés, pourquoi on n'a pas mis un avion, un charter, pour aller ramasser tous les Africains qui avaient en Tunisie pour les ramener quelque part en Afrique de l'Ouest? Vous étiez où? Vous étiez où? Ouattara, tu étais où? Quand les Tunisiens chassaient les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais, les Centrafricains, les Gabonais, Ouattara, quand on chassait tes frères noirs, c'est un avion qui t'a dépassé? Comme c'est toi le représentant de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, c'est un avion qui t'a dépassé? Mais par contre, pour aller attaquer le Niger, tu es prêt à envoyer tes hommes. Mais quand ton peuple meurt, tu es incapable de bouger un doigt. À se demander si tu as tous les diplômes que tu prétends avoir. À se demander si tu as tous les diplômes que tu prétends avoir. Je vais te montrer ce qui me fait mal, Ouattara, quand je te regarde. Je vais te montrer une autre doc. Je vais te montrer une doc. Je vais te montrer une doc. Capture d'écran. Capture d'écran. Ah, où est-ce que cette photo-là se trouve? Où est-ce que cette photo-là se trouve? Je m'en vais sur Google. Je tape Ouattara et Macron.
image. Attendez. Il y a une image. Envoyez-moi un peu l'image là. Il y a une image où Ouattara arrête Macron comme son fils. Envoyez-moi un peu pour ceux qui envoient un peu cette photo là. Hey, je l'avais posté la dernière fois. Envoyez-moi un peu cette photo là où Macron arrête Ouattara comme son fils. J'attends toujours cette photo là. Attendez. Ah ouais, cette photo-là. Envoyez-moi un peu cette photo-là. Pour ceux qui se rappellent de cette photo-là, je cherche sur Google. Pour ceux qui se rappellent de cette photo-là. Un président. Un président, d'abord, c'est un état d'esprit. Les Ivoiriens. Ça ne vous a pas énervé qu'on chasse les Africains en Tunisie et laisse à la CEDEAO ne fait rien? Je n'ai jamais vu, il n'y avait jamais eu un conseil de tous les pays de la CEDEAO pour rapatrier les frères. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu. Et quand on va se lever pour parler, vous les Africains, vous, les Ivoiriens en particulier, vous nous demandez de rentrer chez nous. Tu me demandes de rentrer, moi, en Afrique? Je suis fier d'être Africain. Tout ce qu'on demande aux Français, c'est de libérer l'Afrique une bonne fois pour toutes. C'est de libérer l'Afrique une bonne fois pour toutes. C'est important. C'est très important. On parle de Paul Biya. Les premiers accords avec la Chine, c'était en 85. Paul Biya a compris que jusqu'en 2000, il ne pouvait rien faire. Il avait les mains liées à cause du pacte colonial. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Le premier pays africain à aller en Russie, c'était le Cameroun. C'était le Cameroun. On parle de quoi? C'était en 85. Les premiers pays, le premier pays africain à se diriger vers la Chine, c'était le Cameroun. C'était en 86. Vous parlez de quoi? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Est-ce que vous savez le premier partenaire de la France en Afrique? C'est où? Ni le Cameroun, ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal. Le premier partenaire de la France en Afrique, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria. Le deuxième, c'est l'Angola. Et c'est l'Afrique du Sud. Je vais encore aller plus loin. Les Français préfèrent aller créer des sociétés en Chine que de venir les implanter en Afrique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes nombreux. Quand la France menaçait l'Afrique, nous étions 5 millions au Cameroun. Les autres, je ne sais pas. Quand la France menaçait les Africains dans les années 50-60, nous étions seulement 5 millions au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes 30 millions. Le fusil a changé d'épaule. Les Français nous ont montés pour que le peuple s'attaque aux dirigeants. Mais sauf que ça ne marche plus. Le peuple est devenu, le peuple sait où se trouve le problème. Regardez ce qui se passe au Mali, au Burkina. Les gens ont peur des militaires français. Les gens ont peur des militaires français. Que des nouveaux dirigeants. Regardez ce qui se passe au Mali. La France d'abord commence d'abord par dénigrer, par mépriser ceux qui sont au pouvoir, quand ils n'ont plus le choix.
Ils baissent la garde. Ils ont fait la même chose au Burkina. Ils ont fait la même chose en Guinée. Ils refont la même chose au Niger. Ils refont la même chose au Niger. Mais posez-vous la question. Et c'est la même France qui nous dit que non, la France-Afrique, c'est fini. Et c'est la même France qui revient encore nous dire quoi? Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Parlons d'aide. Le Niger prend seulement 10% de ses ressources. Tout le reste va à la France. Tout le reste va à la France. À l'époque de Kadhafi, Total payait à Kadhafi 85% de ses ressources. C'est bizarre, ça fait mal, non? Total reversait à Kadhafi 85%. Oh, le Niger verse 10%. On verse 10% au Cameroun. On verse 10% en Côte d'Ivoire. Tout le reste, là, c'est 10%. Pourquoi le changement? Pourquoi Total vient donner 10% aux Camerounais, aux Ivoiriens, aux Nigériens? Et quand c'est en Libye, ils vont donner jusqu'à 85%. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Non, Thérèse, on va prendre. Non, c'est 7,8%. Non, c'est 7,8%. Mais on vient arranger à 10%. Vous trouvez ça normal? Et je vais encore aller plus loin. Dans les 10% que la France vous laisse, vous déposez les 10% au trésor français. On appelle ça dans le jargon camerounais le double cora. Pour les jamboteurs, c'est le double cora. Ça veut dire que quoi? Je vais prendre un exemple. Il a eu un bénéfice de 1000 francs dans l'exploitation de minerai. La France prend 90%. On te laisse avec 100 francs. 100 francs. Maintenant, dans les 100 francs qu'on t'a laissés, tu prends encore 75% des 100 francs que tu déposes au trésor français. Ça veut dire que la France te prend 975 francs. 900 francs pour lui d'abord. Et dans les 100 francs qu'il t'a laissé, la France prend encore dans les 100 francs là, 75 francs. Il te demande de mettre ça au trésor français pour garantir. Ça veut dire que dans une exploitation de 1000 francs CFA, le pays n'a que 25 francs. Ce n'est pas encore tout. Maintenant, voilà là où la torture commence. Dans les 25 francs qui te restent, si tu crées un projet, ce sont les sociétés françaises que tu vas d'abord embaucher. Vous avez compris? Je recommence la part. Je recommence. Parce que pense peut-être que je suis allé vite. Je recommence. Vous avez compris? Dans un bénéfice, dans l'exploitation, on prend le cas du Niger. Le Niger vient d'afficher un bénéfice de 1000 francs. Dans le bénéfice de 1000 francs que le Niger vient d'avoir, la France prend d'abord dedans 90 francs, 90%. Il laisse au Niger 10%. Maintenant, ça c'est ce que la France prend. C'est ce que la France prend. Il laisse au Niger combien? 100 francs. Maintenant, la France prend les 900 francs et il part garder, c'est pour eux. Il revient maintenant dans les 100 francs qu'ils ont laissés au Niger. Ils disent au Niger que, étant donné que le contrat colonial, article numéro 3, ah non, article numéro, pas l'article numéro 3, article numéro 2, ça veut dire que maintenant, dans les 100 francs que le Niger est resté avec, on revient à l'article numéro 2 du code du pacte colonial. Confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la Banque de France garantit les réserves financières des 14 pays africains. C'est-à-dire qu'une fois que la France t'a laissé les 100 francs là, tu prends encore dans les 100 francs là, 75 francs, tu déposes au trésor
francs. Il te reste 25 francs. Ton peuple vit comment? Ton peuple vit comment? Voilà pourquoi Paul Biya avait sorti la phrase « Au moins, la Chine ne nous prend pas tout. » Vous vous rappelez, attends, je vais entrer sur YouTube, je vais me rappeler de la phrase de Paul Biya. Là, j'entre sur YouTube. Je pense que sur YouTube, je peux trouver la phrase que Paul Biya avait dit que « Au moins, la France ne nous prend pas tout. » Attends, voilà. Paul Biya, attends. Paul Biya. Sur la Chine. Attends, je vais voir. Paul Biya dit. Attends, je vais mettre. Paul Biya dit. Oh. Paul Biya dit au moins là. La Chine ne nous prend. La Chine ne nous prend pas tout. Je vais voir comme si je peux rester. Attends. C'était une interview qu'il avait faite en route comme ça. Si quelqu'un a ça qui nous. Si quelqu'un a cette vidéo-là, c'est une interview de Paul Biya où on leur avait demandé que penses-tu de la Chine? Il a dit, au moins, la Chine ne nous prend pas tout. Ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Je ne sais pas qui est en train de parler. Les accords de ce pacte, c'est partout. Si tu ne savais pas, petit frère, va te renseigner. Va te renseigner. Le pacte colonial, les 11 articles du pacte colonial, a été rédigé par rapport à la charte de l'impérialisme. Donc c'est décevant de voir toujours des Africains qui vont arriver et vouloir jouer les intellos. Nous, on a fait des recherches. On a parlé avec des gens. Les pactes coloniaux se sont arrêtés en 2000. Le dernier pacte camerounais s'est arrêté en 2003. Pour vous dire, certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ont reconduit le pacte colonial. Parce que le pacte colonial avait une valeur de 50 ans. Pendant 50 ans. Tu parles de quoi? Je suis d'accord avec toi. Ado fait honte à l'Afrique. Je suis d'accord avec toi. On revient dans ce qu'on m'appelait, comme quelqu'un me disait tous les jours. Regardez ce qui s'est passé. Ibrahim Traoré. La France a refusé l'aide. La France a supprimé l'aide au Burkina Faso. Vous savez ce qu'Ibrahim Traoré a répondu? Ibrahim Traoré a dit, pendant 63 ans, vous nous avez aidés, on n'a pas vu ce que ça a donné. Il est temps maintenant qu'on commence à travailler nous-mêmes. C'était la phrase géniale. Ibrahim Traoré a envoyé chier les deux Françaises. Il a dit à son peuple burkinabé, il faut le temps maintenant qu'on travaille. Ils ont revu le code minier. Ils ont revu le code minier. Dans le code minier que le Mali applique, c'est le même code minier que le Burkina Faso applique. Ça veut dire que maintenant, les exploitants vont devoir créer des sociétés et des structures sur place. L'or du Mali ne va plus sortir comme ça sortait avant. L'or du Mali sortira du Mali en produit fini. Avec les mêmes valeurs que le marché mondial. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire comme bénéfice? Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire comme bénéfice? Et c'est à ce moment que le Mali sortira définitivement du franc CFA.
On continue. Ibrahim Traoré dit, pendant 63 ans, nous avons reçu de l'aide. Ibrahim Traoré renvoie aux Français en disant aux Français que nous n'avons pas besoin de votre aide. Effectivement, l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Mais les Français veulent nous faire croire qu'on a besoin d'aide. Nous, les Africains, on dit qu'on n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide. Le sous-sol le plus pauvre au monde, c'est le sous-sol européen. Il n'y a rien dans le sous-sol européen. Il n'y a rien. Ils nous tiennent pourquoi? À cause de la force militaire. Voilà pourquoi Paul Biya, en 87, je vous rappelle que les contrats que Paul Biya a signés avec la Russie dans les années 83, 84, 85, 86, 87, 90, les Camerounais n'avaient pas de besoin de visa pour aller en Russie. Mais renseignez-vous. Les Camerounais n'avaient pas besoin de visa pour aller en Russie. Mais vous avez oublié ça. Beaucoup de Camerounais ont oublié ça. Que dans les années 90, le premier pays à avoir des rapports avec la Russie, c'était le Cameroun, c'était en 85. Tu payais ton billet d'avion et tu partais étudier en Russie. La plupart des étudiants camerounais sont allés en Russie. C'est aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest connaît la Russie. Mais nous, les Camerounais, avant que le mur de Berlin n'explose, on connaissait déjà. Rappelez-vous. Rappelez-vous bien. Je vais vous rappeler la polémique qu'il y a dans le franc CFA du Cameroun et la différence entre le franc CFA de la zone comment je vais dire de la zone Afrique de l'Ouest et la zone centrale. Je ne suis pas encore bien structuré, bien calé là-dessus, mais quand je vais appeler Niamsi, je vais demander au professeur Niamsi d'essayer de nous élaborer ça. Je vais l'appeler demain, je vais dire à Niamsi, est-ce que tu peux nous faire quelque chose sur le... Ou bien je vais demander soit à Niamsi, soit à Nathalie, si elle peut nous faire quelque chose de structuré. Mais je vais vous dire quelque chose. La sortie du franc CFA, c'est-à-dire que la sortie des pays africains dans le franc CFA, ça sera terrible. Il y a beaucoup de secrets qu'on ne peut pas encore vous dire et que les administrations ne peuvent pas vous dire. Ça ne vous étonne pas qu'en Afrique centrale, l'or ne sort plus en tant que tel. C'est parce que les pays de l'Afrique centrale sont en train d'émettre des réserves d'or. Parce que, tôt ou tard, la zone CEMAC aura sa monnaie qui sera une devise, qui sera soutenue par l'or. Voilà pourquoi depuis un certain bout de temps au Cameroun, vous allez voir que la Guinée stocke l'or, la Centrafrique stocke l'or et le Cameroun aussi stocke l'or. Ça ne vous étonne pas qu'il n'y a plus beaucoup d'or qui sortent du Cameroun? Ça ne vous étonne pas? Posez-vous une question. Est-ce que vous avez vu le dernier accord qu'il y a eu entre les BRICS et le Burkina Faso? La représentante de la banque des BRICS était au Burkina. Ça ne vous pose pas un problème? Elle a fait le Burkina, le Mali, la Guinée. Le Burkina sera représenté en Afrique du Sud. Le Mali sera représenté en Afrique du Sud. Au forum des BRICS. Ça ne vous pose pas un problème que les BRICS ont refusé Macron là-bas? Ça ne vous pose pas un problème que l'Italie veut sortir de la zone euro pour entrer chez les BRICS? Ça ne vous dit rien? Le monde unipolaire, c'est fini. L'emprise de la France sur le continent africain, c'est fini. Réveillez-vous. Il est temps que vous vous réveillez. Mais demain, on va vraiment parler du franc CFA. Je vais demander au professeur, attends, je vais l'écrire. Je vais demander au professeur, je ne sais pas s'il est en train de dormir. Je vais demander au professeur de faire un live sur le franc CFA. Et il va beaucoup nous élaborer parce que moi, sur le franc CFA, je connais juste les bases, mais je ne connais pas la profondeur du franc CFA. Mais Niamsi, lui, il peut nous dire... Saint-Exupéry, je t'ai envoyé l'invitation, mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Donc, c'est important.
Il est 23 heures, je ne sais pas s'il est en train de dormir. Attendez, je vais l'envoyer un message. Je vais l'envoyer un message s'il peut participer. Comme ça, il va nous expliquer un peu ce que c'est que le foie. 2 secondes, j'envoie un message au professeur Niamse. Comme ça, il va nous expliquer ce que c'est que le front. Il va, s'il a le temps, s'il n'a pas le temps, il va nous faire ça demain. Voilà. C'est comme ça que nous travaillons. Et sans oublier, n'oubliez pas la grande marche. La grande marche au Trocadéro. Pour l'instant, tous les vlogueurs, tous les blogueurs, tous les influenceurs qui veulent participer à l'organisation de la grande marche, vous contactez Niamsi, vous me contactez ou vous contactez d'autres personnes. Donc, c'est important. Ok, attendez, j'ai fini d'envoyer le message. L'Afrique est en train de se réveiller. Et l'Afrique est en train de se réveiller à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne sais pas, bipez-le par WhatsApp, c'est bipez-le par, bipez-le sur si, attends, je vais voir. Donc surtout, je vous dis quelque chose. Africains, aimez, commencez à aimer l'Afrique. Commencez à aimer l'Afrique. RFI a causé beaucoup de dégâts en Afrique. RFI a causé beaucoup de dégâts en Afrique. France 24 a causé beaucoup de dégâts en Afrique. La plupart des rébellions qui ont été organisées en Afrique, ce n'est pas les médias mensonges. RFI France 24, le seul, l'unique média aujourd'hui en Afrique, c'est Afrique Média. Un média africain pour les Africains. Et vous voyez comment Afrique Média fait mal. Afrique Média, c'est la chaîne la plus vue en Afrique. Au moins là, quelque chose qui nous appartient. Voilà pourquoi vous pouvez, vous devez soutenir tous ces blogueurs panafricanistes. Passez-les nous comme ça, là. Un d'un, on va nous envoyer au pays. Mais même quand on va nous envoyer au pays, ils ont commencé. Je vous ai dit que mes comptes sont bloqués. On m'a d'abord coupé. C'est-à-dire qu'avant d'entrer, on m'a d'abord coupé la monétisation. C'est-à-dire que pour me montrer d'abord que. Attends, vous dites. Ils m'ont d'abord coupé la monétisation pour me montrer que petit frère, tu as dit que tu es wise, on va te montrer, on va te traiter. Vous allez voir, outils de monétisation, ils m'ont bloqué toutes mes monétisations. Pourquoi? Parce que je parle du problème. Je parle du problème de. Attends, elle a répondu. Ok. Donc, demain. Voilà. Attends. Surtout, n'hésitez pas, partagez au maximum. Partagez au maximum la page. Parce que ça ne sera pas facile. Et surtout, quand on entre dans une, dans,
dans l'ère où nous sommes en train d'entrer là, c'est la libération totale de l'Afrique. Je vous dis pourquoi c'est la libération totale de l'Afrique. C'est la libération totale de l'Afrique tout simplement parce que les Français s'attendaient. Je veux dire pourquoi c'est la libération de l'Afrique. C'est la libération de l'Afrique pourquoi? Parce que les Français s'attendaient à ce que les peuples iront combattre les gouvernants, comme d'habitude. Mais sauf que cette fois-ci, le peuple et le gouvernement se sont alliés pour chasser le colon. C'est en train de se passer au Niger. Ça s'est passé au Mali. Ça s'est passé un peu partout. Donc, là où nous sommes, nous vous disons encore. Nous vous disons encore. Tenez bon. Partagez les lives de tous les panafricanistes. Apprenez à réaimer l'Afrique. Gardez la tête haute. Ce n'est pas le papier. Ton papier ne t'empêche pas d'être qui tu es. On ne te demande pas de détester le français. On te demande d'être toi africain. On te demande d'être une valeur ajoutée pour l'Afrique. On te demande d'être le gardien de ton frère. Si on attaque un Malien, un Camerounais se sent touché. Si on attaque un Ivoirien, un Sénégalais se sent touché. Si on attaque un Sénégalais, un Gabonais se sent touché. Si on attaque un Gabonais, un Tchadien se sent touché. L'unité de l'Afrique. Et nous allons créer ce qu'on appelle un véritable front commun. Nous allons créer une véritable monnaie. Nous allons contrôler nos ressources. Je suis le gardien de mon frère sénégalais. Je suis le gardien de mon frère ivoirien. Je suis le gardien de mon frère guinéen, malien, tchadien. C'est ensemble. Apprenons à aimer. Le papier ne doit pas être au-dessus de la dignité humaine. Quand tu vois ton frère mourir en mer, tu accuses ton président? Oui. Parce que le français t'a habitué à accuser ton président. Le français t'a habitué à accuser ton président. Quand on envoie l'argent pour les aides, les qui ouvrent les comptes aux ministres africains ici en Europe, ce ne sont pas les Français. Ce ne sont pas les Français. Est-ce qu'un jour, oui, les États-Unis d'Afrique, est-ce qu'un jour, on a interdit à un ministre africain de venir ouvrir son compte en France? Est-ce qu'un jour, on a interdit à un président d'ouvrir son compte? Voilà pourquoi j'ai le respect pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit, moi, je n'ai pas d'argent en euros. Mon argent est ici en Côte d'Ivoire. Gouvernant africain, Cameroun en particulier. Voilà pourquoi je suis hostile. Voilà pourquoi les gens disent toujours Kamer. Deux fois, on ne te comprend pas. Je suis pour la vérité. Je suis pour la vérité et je reste pour la vérité. Je pense qu'avec la visibilité que nous, les blogueurs panafricains, nous donnons à nos États africains, je pense qu'il est temps de prendre le relais. Nous serons avec vous si vous ne nous trahissez pas. Nous serons avec vous si vous ne nous trahissez pas. Nous n'avons pas besoin de l'aide. Que tous ceux qui sont connectés sur mon live ce soir écrivez, nous n'avons pas besoin de l'aide européenne pour le développement en Afrique. Comme ça, ça sera votre participation dans le live. Tout le monde, prenez le temps de partager le live et d'écrire. Nous n'avons pas besoin de l'aide européenne en Afrique. Parce que nous ne sommes pas pauvres. Écrivez seulement, nous n'avons pas besoin de l'aide des Européens. Ça doit commencer à chauffer dans nos têtes. Ça doit commencer à chauffer dans nos têtes. Nous n'avons pas besoin de l'aide des Européens. Que tout le monde commence à écrire comme ça. Que tout le monde commence à écrire comme ça là. Assimi Goïta n'est pas mort. Ibrahim Traoré n'est pas mort. Doumbia n'est pas mort. Aujourd'hui, nous sommes derrière le Niger.
Ils ont lancé un semblant de rébellion au Niger. On contrôle. Nous allons entrer en guerre avec RFI. Nous allons entrer en guerre avec France 24. Nous allons vous donner la vraie information qui sort directement du Niger. On est fatigué. La colonisation des médias mensonges, c'est fini. La colonisation des médias mensonges, c'est fini. Nous avons nos gens nous-mêmes au Niger. Nous vous allons vous donner l'information en direct du Niger. C'est comme ça que nous allons faire. L'information des Africains aux Africains pour les Africains. On est fatigué. Tu es sur place. France 24 insulte ton président. Traite ton président d'escroc. France 24 oublie que 10 ans auparavant, il vantait ce président-là. Il faut souvent éviter. Quand tu es africain, privilège d'abord l'information de ton pays par les journalistes de ton pays. Ils nous ont eus. Parce qu'on ne jugeait que par eux. Je vais encore dire quelque chose qui va... Merci l'Afrique aux Africains. Merci. Maintenant, je vais répondre à quelqu'un qui dit que Biya, c'est le plus grand prophète de la France. Je ne sais pas si tu es jaloux. Je ne sais pas si tu es aveugle. Mais laisse-moi te parler de Paul Biya, chapitre 2. Paul Biya, c'est le seul président qui n'a pas de maison en France. Paul Biya n'a aucun bien en France et je mets quiconque au défi. Je dis et je répète. Ici en France, Paul Biya n'a aucun bien. Ça ne vous pose pas un problème? Le premier président a signé les accords avec la Russie, c'était Paul Biya, c'était en 85. Le premier président a signé les accords avec la Chine, c'était Paul Biya, c'était en 85. Le premier président à ne pas renouveler les accords des traités coloniaux, c'était Paul Biya, c'était en 2000. Vous voulez que je continue? Je vais continuer. Le seul pays africain qui a le contrôle total de ses ports, Bolloré a été chassé du Cameroun il y a 3 ans. Je dis, je répète, le Cameroun a le contrôle total de ses ports. Montrez-moi notre pays. Nous, c'est où on critique Paul Biya. On va vous dire là où je veux critiquer Paul Biya. Là où on veut critiquer Paul Biya arrive. Le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique centrale qui a le contrôle total de tous ses ports. Vous parlez de quoi? Il a 4,8% de sociétés françaises au Cameroun. Dans les années 50, il y avait près de 50, voire 60% de sociétés françaises en Afrique, au Cameroun. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, il n'y a que 4,8%. Tu demandes que Paul Biya fait quoi? Tu demandes que Paul Biya fait quoi? Paul Biya a amené toute l'Afrique centrale à ouvrir ses portes à la Russie. Grâce à Paul Biya, la Guinée a des accords militaires avec la Russie. Grâce à Paul Biya, le Cameroun a eu l'autosuffisance alimentaire en 89. Grâce à Paul Biya. Tu veux que tu dises encore ou bien ça s'arrête là? Tu veux que je continue? Si tu veux que je continue, je peux te donner. Quel est le pays qui peut accepter Afrique 24? Parlons pas Afrique 24. Afrique Média. Quel est le pays africain qui peut accepter Afrique Média? Il n'y a que le Cameroun. Paul Biya a démontré par A plus B que nous sommes des Bantous. C'est la sagesse qui gouverne. Chez le blanc, c'est l'intelligence. Je m'appelle Amer Kamel, le fils de la nation, le monsieur qui est là. Le monsieur qui est là, c'est le seul président africain qui a détourné les accords coloniaux sans que la France ne s'en perçoive. C'est le seul. Tu demandes que Paul Biya fait quoi? C'est grâce à Paul Biya qu'on a arrêté de tuer les gens de l'UPC. C'est grâce à Paul Biya qu'on a arrêté de tuer les Bamiléké. Tu demandes qui est Paul Biya? Les Français ont tellement détesté les Bamiléké que Paul Biya les a donné l'économie du Cameroun, rien que pour nuire aux Français.
Vous voulez que je continue? Le président le plus détesté par les Français, par le gouvernement français, renseigne-toi bien, on va te dire que c'est Paul Biya. Le cancer de la France-Afrique, c'est Paul Biya. Tu veux que je continue? Quand Macron est venu au Cameroun, qu'est-ce que Macron a dit à Paul Biya? L'hypocrisie africaine. Tu veux que je te remette cette partie-là? Est-ce que vous, tu veux que tu mettes cette partie-là? L'hypocrisie africaine. Quand tu veux parler de Paul Biya, prépare-toi, apporte les arguments. Laurent Gbagbo a dit lui-même, c'est le seul président qui m'appelait tous les mois, pendant 10 ans. Grâce au conseil de Paul Biya, ça me permettait de rentrer. C'est sur le livre de Gbagbo, c'est écrit. Allez lire. Kadhafi. J'installerai la Banque africaine au Cameroun. Posez-vous la question, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi Paul Biya ne vient plus dans les trucs de l'OUA? Posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi Poutine a insisté que je veux voir ce président? Je veux voir ce monument. Poutine en personne a insisté qu'il ne peut pas avoir ce sommet sans Paul Biya. Regardez la photo entre Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Paul Biya. Rien que la photo dit tout. Paul Biya est un monument vivant. Le cancer de la France-Afrique. Le créateur, la stabilité de l'Afrique centrale sans passer par là, qu'on a éjecté la France. Allez en Centrafrique, c'est Wagner. En Guinée, c'est Wagner. Ça ne vous fait pas bizarre? Le Cameroun est entraîné par les Israéliens et armé par les Russes. Je ne sais pas si tu... Je ne sais pas. Si toi, Ivoirien, quand tu me regardes, je ne sais pas si tu vois le déphasage que l'armée camerounaise est entraînée par les Israéliens, mais armée par les Russes. Est-ce que tu peux imaginer le genre? Quand Boko Haram a attaqué le Nigeria, c'est l'armée camerounaise et l'armée tchadienne qui ont repoussé Boko Haram. D'ailleurs, qui arme Boko Haram? Qui arme Boko Haram? Je pense que vous avez la réponse. Et ce que Boko Haram, c'est que le Birafa Boko Haram, c'est ce que le Mali est en train de faire aux djihadistes actuellement. Je suis le gardien de mon frère. Le Cameroun et le Tchad ont fait deux pour aller combattre Boko Haram que l'armée nigérienne n'arrivait pas. N'arrivait pas. On a demandé de l'aide aux satellites français, ils ont refusé. Renseignez-vous de cette histoire-là. C'est des secrets militaires que je vous donne. Donc quand tu te lèves pour dire que Paul Biya fait quoi pour le Cameroun? Paul Biya, c'est un monument. Il n'a pas fait que pour le Cameroun, pour l'Afrique tout entière. Paul Biya a ouvert les yeux de tous les Africains. Le sang de Paul Biya coulera dans nos veines à jamais. À jamais. C'est-à-dire que quand on commence à parler de Paul Biya, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu ouvres la bibliothèque africaine. C'est grâce à Paul Biya que Aïdjo est resté vivant le plus longtemps possible. Aïdjo était au Sénégal. C'est Paul Biya qui payait tout. Les Français ont demandé que Aïdjo doit mourir. Comme Sankara est mort. Paul Biya a dit non. Non. Il ne peut pas mourir. Je veux l'exiler au Sénégal. Je vous ai dit hier, ce qui a ralenti Paul Biya, l'élève de Paul Biya, c'était Sankara. Sankara faisait du copier-coller de Paul Biya. Les premières phrases de Paul Biya, comme ce monde camerounais, c'était en 78. C'était en 78. Sankara répétait la même chose en 83. Demandez au Burkina. Aucun président au monde ne peut manquer le respect à Paul Biya. Les Français se posent la question jusqu'aujourd'hui. Il a fait comment pour rester là où il est?
Les Français peuvent se mordre les doigts. Parce que le plan de Sarkozy était très simple. Une fois qu'on soulevait Kadhafi, Paul Bettel, la deuxième personne, a été dégagé. Mais heureusement, les élections sont arrivées. Sarkozy est parti. Paul Bettel est resté. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un président comme Paul Biya, je suis désolé les gars. Je ne sais pas comment vous vivez. Vous imaginez un pays de la colonie française où les Français n'ont même pas 5% de société. Un pays de la colonie française où les Français ne... C'est-à-dire où les Français n'ont aucun contrôle. C'est le Cameroun. Si on te parle de l'économie du Cameroun, tu vas te perdre. Le Cameroun, c'est le seul pays à atteindre une autosuffisance alimentaire en 89. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Pendant le COVID, quand on a fermé les frontières du Cameroun, les gens jetaient la nourriture au marché. Tu paies la tomate de 100 francs, on te donnait 4 cajous. 4 cajous de tomate, 100 francs. C'était devenu grave. Les gens mangeaient le bouillon à la tomate. Le maïs était versé partout pendant le COVID. C'était du venez voir. Quand on a réouvert les frontières, nous, on n'assainait pas le temps suivant alimentaire. Je vous ai dit, moi, mais quand même, je suis agriculteur. Ne me voyez pas avec ce design ce que j'ai là. Quand je suis dans mon pays, je suis un guerrier. Quand je suis dans mon pays, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je fais dans mon pays. Demandez, on va vous dire. Quand je suis dans mon pays, j'incarne. J'incarne le 100% africain. Attendez. Et beaucoup parmi vous, arrêtez de vous filmer sous les Champs-Élysées. Quand vous rentrez chez vous, filmez-vous chez vous. Quand vous rentrez chez vous, filmez-vous chez vous. Arrêtez de vous filmer sur les Champs-Élysées pour montrer à vos frères que non, vous avez réussi, vous avez fait ça. Non. Filmez-vous chez vous. Et vous allez voir. Je vais vous montrer à moi quand même, dans ces marches, pour ceux qui ont déjà vu. Voilà mes camarades bled. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? C'est la réalité. Ça, c'est la réalité. C'est moi dans mon pays. Là, ils sont en forêt. C'est la réalité africaine. On est riche, mais on paraît pauvre. C'est la réalité africaine. Je vais vous montrer encore des choses. Là, je suis en train de compter les plantains. Je suis avec mon écurie en train de compter les plantains. Dans le 4-4. C'est ce qu'on appelle, on a atteint l'autosuffisance alimentaire. Regardez. Regardez. C'est pour ça que Paul Biya, voilà un gars qui est en France. Voilà là où je suis quand je suis chez moi. Je suis dans mes champs. Voilà. C'est ce qu'on attend de nous, les Africains. Ce n'est pas marcher sur les champs. C'est que quand tu as travaillé tout ton argent, tu gardes ça, tu viens là. Et tu montres à tes frères ce que tu vaux. Voilà. C'est ça être panafricain. C'est ça être panafricain. Avec mes frères du village. C'est ça être panafricain. Ce n'est pas venir montrer aux gens que je vais vous montrer. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ça arrive. Attendez, tourne encore la caméra. Ce n'est pas encore fini. Ça arrive. Ce n'est pas industriel. Mais on ne peut pas mourir de faim dans mon village. On ne peut pas. Ça, c'est champ de maïs. Ce n'est pas comme ceux d'ici là. Mais au moins, l'autosuffisance alimentaire là, non participe.
Nous, on participe avec nos moyens qu'on a. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Vous voyez, c'est ce qu'on attend de tous les Africains. On n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide. C'est ça la vérité. Il faut qu'on vous dise ça. C'est dur. On ne dit pas le contraire. Et quand je suis au pays, me voilà dans mon pays. Vous pensez que le bonheur de l'Africain, ça c'est ce qu'on appelle le bonheur absolu. C'est ce qu'on appelle le bonheur absolu. L'enfant du continent, en train de boire au village. Je préfère être là que d'être sur les Champs-Élysées. C'est ça mon pays, c'est ça mon identité, c'est ça ma culture, c'est ça ma liberté. Voilà. Si je mets le volume, vous allez rire. Si je mets le volume, vous allez rire. Attendez, vous mettez le volume. Et pourquoi c'est sorti les élections? Ça va dans quel ordre? Apparemment, il critique qu'on ne connaît pas le travail. Mais ça, on ne connaît pas le travail. Pourquoi on l'appelle? La le bonheur, c'est ça. Comment la femme sort? Dans la veille qui a fait l'accident au Cameroun, oui, c'est la même partie de la population. C'est ça le bonheur. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que le bonheur c'est quoi? C'est se balader sur les Champs-Élysées, ce que les Blancs ont construit. Nous sommes les Panafricains 2.0. On refuse de réfléchir comme nos parents. C'est vrai. C'est dur. Je ne vous mens pas. Que c'est dur. Je ne vous manque pas que c'est dur. C'est très dur même. Mais il faut qu'on se batte. On ne veut pas d'aide. On ne veut plus leur aide là. C'est fini. On ne veut plus leur aide. Je vais vous montrer. Ça, c'est encore les champs. So as you can see, this is how the plantains are growing. Voilà. Et c'est en passant par là qu'on sortira définitivement du franc CFA parce que nous serons des valeurs ajoutées. C'est en faisant ça que nous allons lutter contre la corruption. C'est ça qu'on attend de nous. C'est ça que nos enfants attendent de nous. On se bat pour que nos enfants soient libres. Le jour viendra où ce sont les Blancs. Ils vont rester comme ça. On va leur demander que vous venez faire quoi en Afrique. Tu as le visa de combien de jours? Non. La dernière fois, tu es venu sans papier ici, non? Dans ton document, tu n'étais pas sans papier ici. Le jour-là est en train d'approcher et le vrai jour approche. C'est ça, la liberté de l'Afrique. Une Afrique libre est possible. Donc, mes gens, partagez au maximum. Vous voulez les informations des Africains? Allez vers les Africains. Allez chez les Africains. En attendant, nous sommes au Niger. Nous sommes au Niger. Tu me parles des routes. Je vais te montrer des routes africaines. Je vais te montrer les routes de chez moi. Peut-être vous pensez qu'on a honte de nos routes. Je vais te montrer les routes de chez moi. Je vais te montrer comment je fais. Parce que je dois te montrer une réalité. Que peut-être que tu penses qu'on ne veut pas te montrer. Je suis tombé en panne. Je veux te montrer les routes de chez moi. Je vais te montrer surtout là où je suis tombé en panne. Je vais te montrer là où je suis tombé en panne. Comme ça, tu vas bien savoir. Parce que tu parles des routes. Non, c'est sur l'autre téléphone. C'est sur notre téléphone. Tu n'as pas de chance. C'est sur un autre téléphone. Je suis un Africain impur. Je respire au Cameroun. Je vis l'Afrique. La France, c'est juste pour prendre mon argent et aller investir chez moi. C'est ce que tout le monde doit faire. Si vous voulez que nos enfants aiment l'Afrique,
Allons travailler pour que nos enfants puissent aimer l'Afrique. Passez une bonne soirée. Merci à vous.